Yona, militante du groupe féministe patriote Némésis, a été arrêtée brutalement à la demande de la maire de Besançon, le domicile de ses parents perquisitionné et son ordinateur mis sous scellé. Pourquoi ? Pour avoir montré une pancarte demandant l'expulsion des violeurs étrangers. On en est donc là, dans la France de 2024, demander à ce que la loi se fasse respecter et également demander à ce que des choses totalement normales dans la quasi-totalité des pays du monde soient réalisées. Ça vous fait vous faire arrêter sans ménagement, selon le groupe Némésis. Ça vous fait aller en garde à vue, vous faire perquisitionner et à la fois vous faire sceller vos affaires, dont vos ordinateurs, etc. Le tout à la demande de la maire, dans le cas présent de la maire de Besançon, qui a également porté plainte pour, je cite, « propos anti-humanistes ». Alors la maire de Besançon, pour info, il me semble qu'elle s'y connaît bien en humanisme. Bref, bon courage à cette militante et bon courage au groupe Némésis.